et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche particulièrement les femmes, à savoir, qu'est-il interdit de faire pendant les menstrues et les lochies? Il faut savoir que les menstrues et le sang des lochies sont des écoulements de sang qui surviennent chez la femme sans que cela soit dû à une maladie. Les menstrues sont aussi appelées les règles. Les lochies, c'est le sang qui survient après l'accouchement. Lorsque la femme est en période de menstrues ou de lochies, il ne lui est plus permis d'accomplir certains actes, ce qu'il n'est pas permis de faire lorsque le sang dû aux lochies ou aux règles apparaît. Faire la prière. Il n'est pas permis à la femme, durant les menstrues ou les lochies, de faire la prière, que ce soit une prière obligatoire, forte, ou une prière surérogatoire, sunna ou nafila. Elle reprendra la prière lorsque l'écoulement sanguin sera terminé et qu'elle aura fait le roussoul. Toutefois, elle n'aura pas à rattraper les prières obligatoires qu'elle n'a pas faites durant cette période. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en réponse à une question de Fatima bint Hubayj, « Inna dam al-haydi damun aswadun yu'raf, fa iza kana zalika fa amsiki min as-salat. » Ce qui a pour sens, « Le sang des règles est un sang rouge foncé et connu, alors s'il a lieu, abstiens-toi de prier. » Il ne lui est pas permis de jeûner, que ce soit un jeûne obligatoire ou un jeûne surérogatoire. Elle pourra de nouveau jeûner lorsque l'écoulement sanguin sera terminé, même si elle n'a pas encore fait le roussoul. En effet, la purification n'est pas une condition de validité pour le jeûne. Toutefois, elle devra rattraper les jours de Ramadan durant lesquels elle n'a pas jeûné. Parmi les conditions exigées pour accomplir les tours rituels autour de la Kaaba, At-Tawaf, il y a le fait d'être sur une purification complète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « At-tawaf bi manzilati salah ghayra anna Allah qad ahalla fihi al-mantiq » Ce qui a pour sens « At-tawaf est comme la prière, sauf que Dieu, Allah, y a rendu licite de parler » rapporté par Al-Hakim. Donc, il n'est pas permis de faire le tawaf sans avoir rempli toutes les conditions exigées par la prière, tel que le wudu. Ainsi, la femme ne doit pas être en période de menstrues ou de lochies. De même, il y a touché ou porté le livre du Coran. Il ne lui est pas permis de porter ou même de toucher le Coran puisqu'elle n'est pas en état de purification rituelle. Allah dit « Layyamassuhu yalmuttaharu » dont on en comprend que n'ont le droit de le toucher que ceux qui sont en état de purification rituelle. Il ne lui est pas permis de rester dans la mosquée tant qu'elle n'est pas en état de purification rituelle. Le prophète a dit « Inni la uhillul masjid al-haid wa la junu » ce qui a pour sens, certes, je ne rends pas licite de rester dans la mosquée pour la femme qui a les règles et la personne junu, rapporté par Abu Daoud. Ce jugement concerne la mosquée, lieu construit pour l'adoration, et non la salle de prière, le construit pour usage quelconque, puis utilisé comme lieu de prière. Il ne lui est pas permis d'avoir un rapport sexuel tant que l'écoulement sanguin n'est pas terminé et qu'elle n'a pas encore fait le roussoul. Il ne lui est pas permis de réciter le Coran en raison du hadith suivant. « La yaqra'u al-junub wa lil-ha'id shay'an min al-Qur'an » ce qui a pour sens que la personne du noob et la femme qui a les règles ne récitera du Qur'an, rapporté par At-Tirmidhi. Qu'Allah nous accorde davantage de science. Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salam alaikum. دليلي مهما جرى خير الورى دربك سبيلي خير الورى